Depuis plusieurs jours, Emmanuel Macron est en plein tour de France des territoires afin de prendre le pouls du pays, après 14 mois de crise sanitaire due à la pandémie mondiale. Comme première étape, le président de la République s'est rendu dans le Lot. Mercredi 2 juin, le chef de l'État était à Saint-Cirq-la-Popie, puis ensuite il est allé visiter le village de Martel, le lendemain. Pendant son séjour, Emmanuel Macron a rencontré de nombreuses personnes. Mais visiblement pas Patrick Sébastien. Le journal L'Opinion avait affirmé qu'Emmanuel Macron et Patrick Sébastien ont dîné ensemble dans un 3 étoiles. Les deux hommes se seraient retrouvés à l'hôtel Spa Le Saint-Cirq, le 3 juin. Seulement une semaine plus tard, Patrick Sébastien nie en bloc. Ce mercredi 9 juin, l'ancien animateur de télévision était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste. L'occasion pour lui de parler de ses coups durs. Puis, tout le plateau de C8 est revenu sur la gifle qu'a reçue Emmanuel Macron, le 8 juin, lors de son déplacement dans la Drôme. Soudainement, Cyril Hanouna a demandé à son invité s'il a bel et bien dîné avec Emmanuel Macron, Patrick, si est-il vrai? Il y a eu des rumeurs comme quoi tu as dîné avec le président? Patrick Sébastien et Emmanuel Macron sont-ils en contact? Avec l'humour qu'on lui connaît, Patrick Sébastien a ironisé. Non, mais j'ai joué au baby foot avec De Gaulle. Assez décontenancé, Cyril Hanouna a répliqué, ah bah très bien. Sur un ton plus sérieux, Patrick Sébastien a renchéri, non mais il m'emmerde tous. Parce qu'il, Emmanuel Macron, est venu dans mon village de Martel. Je n'étais pas avec lui à Martel, a-t-il lancé. Néanmoins, l'ancien animateur de 67 ans a précisé que lui et Emmanuel Macron sont tout de même en contact régulier, mais on continue de se parler, par téléphone, avant de conclure par une question qui a clos le sujet, on aurait parlé de quoi? Enfin voyons. Dans la foulée, Patrick Sébastien a précisé être vacciné contre le Covid-19, et ce depuis longtemps.